On a une toute petite route qui part par là, à droite. Juste là. C'est beau! Oh, c'est beau par ici! Oh, c'est beau! Oh, des vignes partout! Ouais, tranquillo, hein! Oh, regardez comme c'est chouette! Ah, j'adore ces petites routes! Oh putain, la visibilité. Oh, j'ai failli me faire avoir. Oh, la visibilité avec toutes les herbes montantes là. Oh, que c'est beau. J'en perds mon front sèche. Ah. Ça, ça fait pas mal de virages en épingle, non? C'est ça, il y a beaucoup de virages en épingle. Ouais, le piano. J'ai failli me faire avoir tout à l'heure. Et là, ça repart là-haut. Là. Oh, comme c'est beau. Vous voyez là? Alors pour une fois. Ah, c'est chouette par ici. J'adore. On va aller gentiment. Quelle belle vue qu'on a. Entre elle chauffe, hein, la petite. Oh mon dieu. Éviter de rouler plus que ça parce que déjà ça sert à rien et tout à l'heure j'ai failli me faire avoir. Je vais éteindre par ici hein. Une petite route sympa pour même pour une petite cylindrée hein, justement comme la mienne, même une 125 aussi.
je regarde sur la carte non spécifiquement de cette route, enfin le trajet. On voit, hein, il y a pas mal de chemins forestiers aussi, ce que je vois. Ah, c'est chouette, franchement, j'adore. Puisque je roule pas trop vite, 50-60 grand max, tout à l'heure je me suis fait avoir. Carrément cette vue. Quelle belle vue on a. Ah, c'est beau. Franchement, regardez-moi ça. Attendez, j'aimerais. Attention, il n'y a personne derrière. Même une petite route ici. Et c'est pas magnifique. Je n'avais pas prévu de m'arrêter à leur départ, mais. Regardez-moi ça. Alors, à mon avis, on est sur la bonne route, de toute façon. Regardez la vue qu'on a. Voilà. Bon, c'est pratique d'avoir un pied comme ça aussi long. Hein. Là, elle tient parfaitement. Là. Je pourrais pas avec la HPS, la Shubiali. Je pourrais pas. C'est beau, hein. Mec, que c'est bon. Donc on verra du coup, doit être à peu près par là-bas, juste un peu plus à notre gauche. Et puis là-bas, on aperçoit Grandson slash Yverdon les Bains. De l'autre côté, on a l'autoroute qui va direction Payerne. C'est quoi tant qu'à faire vu que je suis arrêté. Je profitais pour voir un petit peu. Et peut-être faire 2-3 photos. Ouais, surtout dans quelques instants, tant que je me désaltère un petit peu quand même. À toutes. On va repartir. Je suis sur la bonne route. Hein. Mais il y a encore pas mal de routes de campagne pour rejoindre ensuite un axe secondaire plus fréquenté. Et dans l'idée d'ensuite à la direction Creux du Vent, on prend la route qui bifurque juste après Montborgé, je crois. Je connais pas très bien ici. J'ai beau être passé déjà quelques fois, je suis pas encore très sûr des noms. Hein. Vous m'excuserez si c'est pas exactement ça. Donc voilà, quant à la moto au niveau pollen, entre le casque qui a déjà pas mal de moustiques écrasés, la visière et la moto, on le voit pas comme ça, mais bon, c'est pas si violent qu'il y a 2 jours, mais elle prend pas mal quoi. Ça repart, hein, ça remonte, hein, je crois. Fontanzier, Fontanzier. Mais dommage.
Ah, il faut aller tout droit. Il y a un panneau qui indique pour repartir en bas, mais il faut aller tout droit ici. Il faut aller tout droit ici. Je dirais pas, mais la route continue en fait par là. Il faut être par avoir. Qu'elle n'est pas délégée. Ah, j'adore la moto. Il faut vraiment que je... Enfin, demain, je vais prendre un peu de temps. Je vais prendre un tas de forme, évidemment, mais demain, je vais prendre un peu de temps pour entraîner au ralenti. Et ce soir, je vais garder les prévisions météo qu'on a au niveau de mercredi. Si cette fois-ci j'annonce du bon, bah je m'inscris au cours. Au cours MEN. Donc il prend du retard, mais on va y arriver. On va y arriver. Je commence à l'habitude d'avoir des choses, des imprévus qui se. Qui viennent, quoi. C'est. De toute façon, dans ma vie, je crois que pour tout, j'ai dû me battre. Hein. J'ai rarement eu toutes les choses comme ça, en claquement de doigts ou facilement. J'ai toujours dû me battre. Plusieurs raisons à cela, on va dire, mais bon. Oh! L'écureuil! Vous le voyez là? Oh, il y en a deux! Regardez! Je coupe le moteur. Ah, vous voyez, il y en a un là, puis un deuxième juste là. Je me fais peur. Regardez, rien. Oh, c'est beau. Eh, il bouge pas, regardez, il est toujours là. Hein. Je sais pas si ma caméra voit ce que je pointe. Il y en a un juste là comme ça. Puis l'autre, il est là-haut, là. Eh, il est tout là-haut, regardez. Juste là. Juste là-haut, là. Il bouge pas, hein, regardez. Il a pas bougé. Et l'autre, il est toujours là. Il doit avoir peur. Je vais ficher le camp. C'est tranquille. C'est pas la première fois hein, que je croise des bébêtes. Il est parti. L'autre, il est toujours là, par contre. Il a pas bougé. Ah, ça y est. Et on y va. Oh, c'est magnifique. C'est la nature. Oh, qu'est-ce que j'adore la moto. Oh. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est beau. Oh là là, mais ces petits 50 mètres que je viens de faire là, franchement, c'était féerique. Ah, c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Ah, j'adore ça. Là, pour ce genre de choses, c'est vrai que ce serait cool d'avoir une moto électrique pour éviter d'effrayer les bestioles. Ah, t'as chopé un truc? Non? Il va se dire, mais qu'est-ce qu'il veut? Ah, c'est le meilleur endroit pour les chats. Ils chopent sûrement des campagnols. Et franchement, là, j'ai une chance inouïe. Déjà eu par le passé la chance de croiser Bernardo. C'était d'ailleurs cette période de l'année. Puis un chevreuil, c'est plus petit qu'un chevreuil. C'était la famille Cervidae, mais je sais pas quelle bestiole c'était. On va dire Rick est de la famille à Georges, pour ceux de la région qui savent de quoi je parle. Vers. C'était où? Vers.
puis au fond, juste à côté de la route principale, avant d'arriver à la frontière. Ça m'a halluciné. Moi, j'ai confondu ça avec un chien. Ah non, c'est un chevreuil en fait, c'est ça, chevreuil. C'est un chevreuil. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est. Je suis conquis. Ah oh, bah, je suis arrivé au bon endroit. Voilà, là, on repart en direction Montborgé.